Quand vous allez voir l'œuf, vous savez que le regard de l'artothèque n'est pas loin. Un œuf en inox pour vous guider vers 40 regards. En 2013, l'artothèque intercommunale propose une nouvelle vision des 1900 œuvres de sa collection. Un artiste qui sélectionne les pièces d'un autre pour monter son exposition, des particuliers qui ouvrent leurs portes pour accueillir expo et public, c'est ça les 40 regards. IFATCAT, aujourd'hui dans le regard numéro 4, nous montre sa manière, alors sa sélection, mais aussi par exemple de mettre des tableaux en croix, de aussi la manière comment on met l'éclairage. C'est aussi les œuvres vont dire autre chose. On ne veut pas que les gens disent « Ah, les regards, ça c'est super », mais à un moment dire « Ah, mais pourquoi il a mis ces tableaux ensemble ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça raconte ?» Pour sa sélection à la médiathèque de Cornillon-Confou, IFATCAT s'est laissé guider par les formes, les couleurs, la géométrie, la féminité. Au final, une vingtaine d'œuvres photos, peintures, vidéos, exposées dans une salle blanche. Et l'artiste n'aurait pas voulu rater une telle expérience. Je l'ai dit tout de suite, hein, si jamais tu fais un regard, j'ai envie de faire parce que c'est incroyable la collection. Il y a plein de choses différentes et vraiment on a la chance de rencontrer les gens qu'on voit qui sont dans les musées et tout ça. Et on a la chance d'avoir des artistes magnifiques à la maison. Les 40 regards se déploient tout au long de l'année 2013 sur toutes les communes de Ouest-Provence. Et pour les trouver, laissez-vous guider.